suite de l'aventure. Oula, le micro peut-être. Oh là là, le micro peut-être un peu beaucoup loin. Voilà, c'est peut-être mieux pour entendre ma voix. Si je mets le microphone à 15 bandes, ça va pas. Mince, pardon, je fais des bêtises. Oui, donc il y a le feu follet là, je sais pas quoi, machin qui. J'ai pas le niveau apparemment, donc je vais me barrer. Je veux pas compter le diable. De toute façon, ce fort là, c'était du bonus. Je vais passer plus tard. Pas dans les escaliers. Mais d'accord, j'ai fait le. Ouais, j'ai fait les coffres verrouillés, je m'en souviens celui-là. Mais voilà, ça c'est l'escalier pour remonter à la ressortie. Parlez. De ville. C'est team. Je vous salue. Comment ça va? Pas mal. Vous connaissez Mandil? J'ai entendu dire qu'il était doué pour ouvrir les serrures.
On raconte qu'il enseigne comment crocheter les serrures. J'ai entendu Salut. D'autres personnes dire la même chose. Bonne nuit. Prenez soin de vous. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour. Eh bien oui, j'ai une jolie chambre de libre pour la modique somme de 40 pièces d'or la nuit. Ça vous intéresse? Ça fait cher. Putain, ça fait cher. Ouais, allez, d'accord. Mais... Excellent. La chambre est à l'étage, au bout du couloir à gauche. J'espère vraiment que vous vous reposerez comme il faut. Merci. Au bout du couloir à gauche. Adieu. Bonjour. Si vous cherchez des livres, allez, c'est à propos. Ah, peut-être dans votre sens alors. Merde, j'y étais. Ah. Couloir à gauche. Là. D'accord. Est-ce que j'ai rouge ou jaune? Ah, rouge. J'ai pas le droit d'y aller. Merde. J'ai pas compris. Il y a pas de porte à gauche chez le mur extérieur de la demeure. Il y a un lit qui apparaît en... Voilà, en blanc. Alors, c'était à droite. Bref. C'est mal indiqué. Allez, je suis fou. Je dors 12 heures. J'ai mérité un grand repos. Après tout ce que j'ai fait, franchement, tout ce que j'ai vécu, à un moment, j'avais plus de lame. Mon armure était explosée. Franchement, mes 12 heures de sommeil, je les mérite. Ah là 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 là. Démarche, parce que ça vaut le coup que j'aille voir le marchand. J'ai quoi sur moi en. Oh, j'ai. Ouais. J'ai pas mal de trucs. Ouais, je peux éventuellement vendre des potions. Bon là j'ai tout. Oh, il y a des trucs sans déconner, je pourrais vendre. Ouais. Je peux vendre quelques objets magiques, ça va me rapporter un sac de pièces. Alors, de qui s'y fout là lui? Qu'est-ce qu'il fout à l'intérieur du tout? Ça va? J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède. Oui, bah tiens. Merci, chère madame. Mais qu'est-ce qu'il fout dans le parterre central? Des rumeurs? Un nouveau bateau vient de s'amarrer dans le port. La Marie-Hélène. Il me semble que c'est une galère. Ah là là, c'est terrible d'entendre toujours les mêmes. Akatosh vous bénisse. Le quartier marchand. En même temps, il est en train de me dire que. Non, c'est chez le gars que je suis arrivé. Je m'étonne pas.
merde, c'est pas bon. Ah, c'est pas la bonne heure pour que je vienne le voir. C'est pas la bonne heure. Il est... ouais, 8h du matin. Ouais, il se fait la grasse mat. C'est un beau bois bohème. C'était un membre de la famille ou Oui, il est 8h30, il va peut-être ouvrir à 9h, ça marche par tranche horaire. Ah, le pauvre qui est toujours dans le parterre central. Bizarre. Bon, moi en attendant, je vais essayer de faire une potion. Oh! Invisibilité pour 24 secondes. Excellent! Merde, non, c'est pas ça que je voulais dire. La fatigue, la fatigue. Oh! Réduction de fatigue. Mais silence pour 15 secondes. Amusant ça. Pourquoi pas? Ah ouais, et là ça le fait plus. Ah ben. Il y a que ces trucs. Oh la vache. Ah, je regarde pas là. Oh, ouais, non, de toute façon, c'est pas encore. D'ailleurs, sur la carte, il faudra que j'aille. Faudra que j'aille au quartier du marché. Ouais. Bon, j'attends jusqu'à 9h. Et si à 9h il ouvre pas, je repasserai plus tard dans la journée. Je vais d'abord aller chez les marchands avant de revenir. Avant de venir toquer à sa porte. Ah, ça y est, je peux. Salut! Bienvenue! Mon maître m'a donné l'ordre de vous faire entrer immédiatement. Suivez-moi, je vous prie. D'accord. Ah, le chasseur de trésors. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu. Vous reconnaissez peut-être cette statue-là sur la table. C'est celle que vous avez vendue récemment, en dessous de sa valeur. Comme vous le savez peut-être,
Je suis assez passionné d'antiquités à Iléide. À ma manière tout à fait modeste, j'en ai amassé une collection assez considérable. J'ai récemment décidé d'obtenir le jeu complet de ces statues anciennes. Je crois qu'il en existe 10. D'accord. Un simple commerçant n'en connaîtrait pas la vraie valeur. Si vous me les apportez quand vous les trouvez, je vous paierai le double pour chaque. Ah ouais. Ah, ça me plaît beaucoup. 10 moins 1 en plus. Je recherche les 10 pour ma collection. Elles se trouvaient autrefois à l'intérieur du temple des ancêtres, dans l'ancienne capitale des Iléides. Mes recherches m'ont permis d'apprendre qu'elles ont été retirées du temple, avant que celui-ci soit pillé par les hommes. Je pense qu'elles ont été cachées dans diverses communautés Iléides de Cyrodiil, mais j'ignore où ces dernières se trouvent. Pourquoi ? M'avez-vous déjà trouvé une autre statue ? Non, pas du tout. Bien, vous avez du travail. Je continuerai d'étudier les archives pour trouver des indices sur l'emplacement des statues. D'accord. Le temple des ancêtres, alors ? Pour vous, c'est la tour d'or blanc, le centre de l'ancienne capitale Iléide de Nibenay. Elle a été brutalement saccagée il y a des milliers d'années, par des humains sous les ordres d'Alessia. La cité impériale est construite sur les ruines de cette ancienne cité. De manière plus légère, des rumeurs. Le Conseil des Anciens et l'administration gèrent les affaires de l'Empire depuis des décennies. L'Empereur gouverne, mais c'est le Conseil qui règle tous les détails. Ouais. Oui, c'est les hauts fonctionnaires. Bon, on revient au sujet des statues, donc. Oui ? Vous m'avez trouvé une autre statue ? Non. Non, d'accord, oui. Bien, vous avez du travail. Oui. Je continuerai d'étudier les archives pour trouver des indices sur l'emplacement des statues. Bon, écoute, je vais aller place du marché, moi je vais vendre mes objets magiques. Bonne journée. Oui, merci, toi de même. Merci beaucoup. Content d'avoir bavardé. Quelque chose à me dire, l'homme de... Si vous voulez bien me suivre, je vous emmène voir mon maître. C'est déjà fait, j'aurais aimé que tu me raccompagnes. Non, je voulais juste vous parler. Vraiment ? Je suis à votre service. Ah, Umbacano. Si vous voulez bien me suivre... Ah bah, c'est lui. Vraiment ? Je suis à votre service. Je me dis, mince, un nouveau sujet, mais non. Des rumeurs ? Et quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, ce n'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Au revoir. Une proie fraîche. Je travaille comme garde au manoir d'Umbacano. Je m'appelle Ushija. Ushija. Des rumeurs ? Si vous cherchez un sort bon marché, c'est chez Edgar qu'il vous faut aller voir. Eh ben, merci, Ushija. À bientôt. À bientôt. Salutations. Là, il m'a accompagné à la porte, dis donc. Gentleman. Yeah. Alors, attends. Je suis tout ouïe, citoyen. Ah d'accord, c'est une auberge. Enfin, c'est une taverne. Ah ouais, j'avais oublié qu'il y avait autant d'auberges dans la capitale. Mais du coup, ça fait quoi dans le carnet des...
Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il faut que j'aille piller les temples. Procurez-vous votre exemplaire du colon du cheval noir ici. J'ai une mission de pilleur. Alors là, des affaires, ouais, je vais en faire. L'alchimiste, il est à l'autre bout, ouais. L'ingrédient principal. Ouais, je vais aller le voir. Je vais aller le voir de piste parce qu'il faut absolument que je me repasse des potions de restauration de magie. Que puis-je pour vous? Je préfère écouter les gens discuter. Certaines conversations sont vraiment remarquables. Continuez. Je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute. Ce n'est pas un mauvais travail. Salutations. Alors, vous avez parlé sur des combats récemment? Sans aucun doute. Avez-vous déjà reçu une plainte de la part d'un marchand? Initia à le vieux travail. Oui, quand on cherche du travail, la guilde des guerriers n'est pas un mauvais choix. Je suis sûr que les gens sont à la recherche de numéro 1. C'est ce que j'ai entendu. Si vous avez des questions sur les marchandises, il vous suffit de les poser. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Moi, c'est quoi? J'ai le matos d'apprenti. Ouais, c'est bien, c'est le niveau au-dessus. On est d'accord. Alors, attends, pour la restauration de magie. La restauration de magie. Ouais, regain de magie. Ah bah, je suis dessus. C'est une bonne affaire. Regain de magie. Vous faites une bonne affaire, hein? Oui. Ah ouais, mais ça coûte la peau du cul, les selles de feu. Le prix que ça coûte. Aïe. Et dans les potions en elles-mêmes, il a rien de spécial à proposer en fait. Revenez quand vous voudrez. Ouais. Ah merde, je lui ai pas proposé de lui vendre mes trucs. Pas encore que je sais pas si j'ai beaucoup de. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Attends. Est-ce que je peux lui vendre un truc? Bah non, ça je vais me le garder parce que ça va m'aider si j'ai un... Quoique non, attends, elles sont lourdes et... Oh, elles pèsent lourd les potions. Non, finalement je vais les vendre.
Surtout, j'ai celle-là. Oui, non, je vais vendre ça. Oui, le regain de fatigue, je m'en moque, je vais les revendre. Ah, lié de rendre silencieux un ennemi. Non, je vais garder ça. Bon, ça je vais vendre. Excellente transaction. J'aime faire affaire avec vous. Oui, moi aussi. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Que voulez-vous ? Bien, bonjour. Ah, peut-être me réparer. Si c'est cassé, je peux m'en occuper. Merci. Des rumeurs ? Toroni rachète tout, ou presque, et je suis sérieuse. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Alors, pardon, je veux savoir si t'es intéressé par certaines de mes... Enfin, je vais garder les armes de baston. Encore que. L'épée courte de Bryce, je vais peut-être la vendre. Ouais, allez. Ouais, parce que j'ai des trucs qui pèsent moins, mais qui font plus de dégâts. Oui, non, c'est un équivalent. Oui, celui-là. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Alors, détection de vie, moi, je trouve ça intéressant. Alors que résistance à la magie sur soi, bof. Non, je vais le vendre celui-là. Celui-là, je vais le vendre. Ah, bah, en plus, j'en ai déjà un de résistance à la. Le casque et du maquis. Gant d'infiltration. Non, je les garde, les gants, jambières, fourrure, ouais, c'est toujours ça pris. Ah bon, j'allais peut-être des sandales, quoi, je sais pas, non, ils en veulent même pas, tellement que c'est misérable. Ok. Alors, elle, par contre, elle me vend quoi? Oh la vache! Ah oui, c'est violent, ça. Oh, pas cher ces marteaux d'apprenti, je trouve. Non, oui, je suis tenté de les acheter. Ah ouais. Je n'aurais pas fait une telle offre à n'importe qui. Oui, merci, je te crois. Parce que j'ai souvenir que chez certains, c'est le prix double. Ça fait plaisir. Là, je sais que j'ai fait une affaire. Épée courte en argent. Alors je vais lui acheter et je vais essayer de me la faire. Vous avez acheté ça pour une misère. C'est bien correct qu'elle me le dit. Mais je vais essayer de me. Merci. Vous êtes ici chez vous. Merci. Je vais essayer de me l'enchanter avec un. À bientôt. À bientôt. Et je vais essayer de me l'enchanter avec un sort capture d'âme. J'ai pu le faire à la main et dès que je touche, j'aspire automatiquement les objets. Ce serait
serait du PNF. Voilà, attends, je me creuse la tête là parce que... Bonjour. Ida Vlinorman a quelque chose d'étrange. J'ai appris qu'elle avait escaladé la façade de la chapelle rien que pour pouvoir sauter du toit. Peut-être qu'elle pourrait m'apprendre. Je vous écoute. Poursuivez, je vous prie. Qu'est-ce que vous faites là, gentille dame ? Si vous cherchez des livres, c'est à première édition que vous aurez le plus de chances d'en trouver. Bonjour. J'ai entendu d'autres personnes dire la même chose. À la revoyure. Au revoir. Ah, bonjour. Si vous cherchez des livres, c'est à première édition que vous aurez le plus de chances. J'aimerais bien acheter des gemmes. Des gemmes spirituelles. Avez-vous des nouvelles de la mission dont nous avons discuté ? Non. Quand je serai en tombée de la nuit, j'y penserai. Faisons affaire. Mais là, je te fais croire que j'ai d'autres trucs. Oh la vache. Waouh. Non, directement. Ah, elle vend encore moins cher. Je ne vous en ai pas demandé assez. Elle vend pas de pierre. Ah, je suis déception. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Oui, merci. Des rumeurs ? La garde impériale se préoccupe énormément du renard gris. Vous avez vu tous ses avis de recherche ? Oui. Il ratisse. Je peux tout acheter, pour peu que le prix soit correct. Tiens, j'ai pas pensé à racheter des flèches. Oh, c'est pas une priorité. Ah si, des chaussures de misère, je vais les revendre. Voilà, hop. Le pantalon aussi, je vais le revendre. Attends, je parcours toute ma liste de... Oui, ça je peux garder, on sait jamais. Oui, ça peut peut-être me sauver d'une... Ça, c'est nul. Vous avez gagné une belle... C'est un prix équitable. Oui. Ah, je suis déçu qu'il n'y ait pas de vente de James. Merci d'avoir fait affaire avec moi. Merci. Merci encore de votre aide. Nous ne pouvions faire appel qu'à vous. Eh ben... Oh, il y en a marre de la forme. Mais la bijouterie, c'est pas des pierres précieuses. Qu'y a-t-il ? Bonjour. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir ? Punaise. Ah, il vend quelques vêtements. Couleur rouge. Oui, je veux bien, tiens. Les fringues rouges, je les rachète. Ah bah oui, je peux peut-être vendre certains anneaux. Armure légère sur soi, bouclier de feu, mysticisme. Ouais. Bah c'est pas le poids et la place que ça prend, donc du coup je suis tenté de les garder là. Oui, je peux lui vendre mes pierres, mais je peux pas lui en acheter, lui, il fait pas... Merci, vous êtes ici, chez vous. Ouais, merci, à plus. Vous aussi. Qui c'est qui peut... Ce serait que chez la guide des magiciens, là. Bonjour.
Avez-vous déjà vu tout ce que propose la petite croix? Salut. Qu'est-ce que vous avez? J'ai entendu dire que des gens avaient vu des gobelins dans le coin il n'y a pas longtemps. Je ne les supporte pas. Je les déteste. J'ai entendu dire que les hauts elfes... Heureux de vous revoir. Ah, bah t'es le sacré loustique. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Tamriel. T'es le sacré loustique qui vend pas de... Ouais, mais je vais pas prendre 40 kilos de marteau. Et peut-être arrêter les âneries. Oh là là, ils vendent ces trucs. Ouais. À plus. Au revoir. Au revoir. Merde, homme. Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie. Qu'y a? Qu'y a-t-il? Non, y a rien. Bon. Bonne journée. À toi aussi. Ah. Comment allez-vous? Oui, c'est bon. Sorceleur. Probablement un ancien mage de guerre. Ah, puis les teintes en mauve, j'aime beaucoup. Bonjour. Vous êtes Arindir Bâton. C'est moi, Arindir. Et je vends des bâtons magiques. Dingue, non? Dingue, rare surtout. Rumeur. Si vous cherchez une armure légère, allez voir Maro Rufus, le propriétaire de la meilleure défense. Yep. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Oh bordel. Ah, bâton de lumière. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Oh, vache. Waouh. Oh, pourquoi les bâtons pèsent-ils si lourd? 10 points d'unité de masse. Capuche de soie rouge. Évidemment, en... Alors, attends, en... Non, en rouge en plus, non seulement elle est plus lourde, mais en plus elle est plus chère. Bizarre. Ah, la capuche de mage qui ne... Ah, ça peut être stylé. Tiens, je vais l'acheter pour 2 pièces. Hein. C'est pas plus que ça, ça prend 0 de masse. Ça peut être drôle. J'aime faire affaire avec vous. Mais merci, merci, merci. Au revoir. Au revoir. C'est exclusif à la Guinée. Sors mon marché d'Edgar. Dis-moi qui m'achète des pierres, des pierres précieuses. Enfin, des gemmes spirituelles. Qu'y a-t-il? J'aimerais acquérir des gemmes spirituelles. Je vous écoute. Pas du tout. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Oui, non. Adieu. Adieu. C'est ça. La déception affichée. Ah, encore une élégance à mon téléphone. Certainement pas dans la magie. Ah bah ça c'est de la magie. Mystique Emporium. Qu'y a-t-il? Bien le bonjour. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Waouh. Oui, en effet.
enfin. Enfin, c'est ce que je voulais. Et il en a pas tant que ça. Attends, je comprends pas. La... Oui, attends. Parce que... Bref. Grande laine spirituelle, pourquoi pas. Soyons fous. C'est une affaire. Tout apparemment. Oui, non, c'est bien. Revenez quand vous voudrez. Ok, merci. Au revoir. J'ai même pas au revoir, j'ai même pas voulu demander des rumeurs. Tu vends quelque chose? Bonjour. Qu'y a-t-il? Ah non, tu veux... Ah non! Non mais non, mais tu en sorcelles en plus. La taverne du roi et de la reine est un bon endroit où loger quand on visite la ville. Merci pour l'info. Faisons affaire. Oh, mais c'est une alchimiste, il fallait dire avant ma grande. Oh là là. Ah, dommage. Ouais. Wouah, mais elle a combien de kilos de viande de rat? Elle aussi, elle vend des pierres. Oh la vache. Je n'aurais pas fait une telle offre à n'importe qui. Oui, oui, merci. Ah bah voilà, je te les rachète celle-là. C'est une affaire. Oh mais c'est parfait, merci Auraline Way. Non, enfin, j'ai rien d'autre à vendre. J'aime quand mes clients sont contents. Alors, tu fais de l'enchantement ou pas? Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Tu recharges seulement, merde. Ouais. Vu le prix, non merci. Oui, bah l'épée, je peux. Merci. Putain, je me suis ruiné. À bientôt. À bientôt. Là, j'ai claqué 1500 d'or pour être au taquet, prêt pour le combat. Ah, la carte dorée, c'est elle qui est... C'est elle qui est douée en alchimie, je crois. J'ai là tout ce que les alchimistes débutants peuvent désirer. Bah, je suis plus vraiment débutant, mais ça m'intéresse des rumeurs. Le renard gris a l'air dangereux. Oui, apparemment. Et Toronir? Parlez à Jensen. Elle peut vous aider mieux que moi. D'accord. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Mais oui. Oh, c'est cher, mais... Ah, t'es tellement content d'avoir de la magie après. Vache.
chaise. Alors... Ah. Vous avez acheté ça pour une misère. Pourtant, hein, c'est cher. Hein. On voit que c'est un truc rare. Hein. Nectar de Yasando. Eh bien. Ça, est-ce que ça sous-entend qu'il faudrait que je fasse de la plongée? J'aurais peut-être à y gagner, en fait. Comme c'est une Yasando. Rien de force, mais... Enfin, le truc peut être bien, alors... Vous avez la nég... Je ne vous en ai pas demandé assez. Merci. J'aime faire affaire avec vous. Moi aussi, moi aussi. Adieu. Et en quoi ça va là? Je suis à combien? Je me suis bien chargé. Ah, je me pose une question du coup. Est-ce que je suis condamné à faire mes propres enchantements? Non, il y a un truc qui me dépasse. Sans déconner, il y a un truc qui me dépasse. Ou alors, faut que j'aille à guider les mages. Ah non, la gemme spirituelle commune, faut que je la garde avec les 800 points d'âme. Parce que si je veux faire un objet enchanté avec un enchanteur, autant que j'ai une base sérieuse pour la question d'âme. Ah, ça me taquine ce souci. Mais du coup, il faut que j'aille voir les mages. Évidemment qu'à l'autre bout, je vais traverser toute la... comme une horloge. Hein. Je vais faire un tour d'horloge complet dans la ville. Et encore. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller à l'université Arcane. Ils sont pas très causants, ils sont pas très accessibles. Ouais. Peut-être. Pour les autres quêtes que je pourrais également mettre en lumière. Ouais, il y a ça aussi, d'accord. Ah oui, bah oui, mais il y a la quête principale aussi. Oh le con. Oui, mais Akvat, là, il faut que je sauve... Ah oui, je crois. Je peux pas dire que c'est bugué, mais presque. Alors attends, du coup je suis perdu de la pomme de vie. Ouais. Il faudrait que je me barre de la cité impériale. Et épisode suivant, je tente vraiment d'aller dans les enfers, dans le portail de Dion. Pourquoi pas. Qu'y a-t-il, citoyen? Bah la guerre dans les enfers maintenant, mon nom. Ah, bonjour. Si j'avais une question, je suis allé. Ah, c'est bien.
Oula, ça fait peur. Ouais, j'ai la place centrale, là où il y a la statue. Ok, il m'a roté là Une petite pièce pour un infirme. J'essaie d'économiser pour pouvoir acheter mon remède. Ah, la panacée. Merci, chère madame. Nistara vous bénisse. Je suis tout. Oui, Restita Statlilia. Je travaille à l'écurie du cheval Alzan. Vous n'auriez pas vu nos chevaux, non? Pas grave. Ils ont disparu, c'est tout. Ah bon? Ah non, tu pourrais m'en dire plus? Tout le monde raconte que ça va mal à Kvatch. La ville entière a été rasée. Les survivants se comptent sur les doigts de la main. Oui, justement, je vais y aller. Je vais y aller. Au revoir. Au revoir, dame. Mais... Enfin, j'aurais plus d'infos. Il y a plus de chevaux. Les chevaux ont disparu. Attends, il y en a 8 là, vu. 9 avec le blanc. Vous avez 9 chevaux, il y en a qui ont disparu. Tu sais plus compter, c'est pas possible. T'as le tournis tellement qu'il y en a à gérer, oui. T'inquiète pas qu'il y a plus de chevaux. Là parce que je vais revenir en environnement hostile. Prout, je réfléchis à ce que je fais, à ce que je vis. Alors, phase de maille, ouais, c'est bien ça. C'est pas celle-là, parce qu'en face c'est Coral. C'est par Singrad, puis Xvat. Putain, c'est pas la porte d'à côté. Attends, je le laisse traverser. Ah non. Ok, il marche carrément sur la route. Il pourrait pas marcher sur le côté, non? Ah mon dieu. Bref, allez-y, direction Xvat. Merde, je peux faire demi-tour, je suis sur le mauvais chemin.
Mais c'était une heureuse erreur. Oh, trop bien. Mais comment il s'appelle cet effet d'ailleurs pour la magie? L'effet actif dans le monde. Attends, c'est un mot d'une fortification de magie. Ouais, puis Aléide. Amélioration de la magie et capacité d'être en acte. Non, ça, Kronak, c'est moi. C'est ma nature. Ah non, mais génial, quoi. Absolument génial. La magie de la tombe, c'est... Ah, attends. Il faut que je regarde ma carte, si je vais pas me laisser enchanter par... Bah, j'arrêterai, je regarderai juste devant le portail de Fouillade. Avant de retourner. Et encore, non, j'ai des bêtises. Il faut que je patate les galopins qui sont à l'intérieur de la ville en ruine. Pour sauver l'héritier caché. Seulement au bonus, je pourrais retourner dans le portail de Fouillade. Je suis à la hauteur de patater les galopins quand ils sont déjà 3-4 à l'intérieur de la ville. Ah, c'est gentil. Je sens que ça va me faire de la viande de sanglier à cause. Et en plus, il y a des trucs. Bien joué! Merci. Il suffisait d'être observateur. Voilà, ça s'est fait. Ah ben cette promenade est heureuse. Magie, ingrédients. Ah c'est cool. Oh là là, elle est loin là. La route pour... Quoi, un troll? J'y voulais sûr. Encore un autre? C'est pas possible. Pourquoi il y a une concentration de trolls par ici? C'est le troisième que je croise. Charge. Trop bien. Ah, un loup. C'est déjà plus conventionnel. Pardon. C'est tout ce que vous savez faire? La route est encore longue. Avec ce virage en épingle. Je sais où je suis sur la carte du monde. La route est un... La bourse ou la vie? Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Oh là là. On peut dire ça comme ça si vous voulez. Oui. Oh putain, j'ai pris les jetons. Oh là là. J'ai eu un roue de cœur. Je cours après mon cheval. Il fallait faire usage de teintes plus grossières. Mince, j'ai dû m'engager à l'intersection de la ville. Ah, alors que je voulais pas y aller. Ah ouais, mais il y a un garde, non? Non, il n'y a pas de garde. Ne m'étonne pas. C'était pas prévu. Je vais d'abord faire une halte dans la ville et y passer la nuit. Et au petit matin, je reprendrai la route vers le bas. Je me suis
sauvegarder et arrêter le jeu pendant un petit temps. Voilà, j'ai une fois là-dedans. J'ai l'estomac qui travaille. Ah, je peux te faire des affaires. Bonjour. Bonjour. Oui ? Je sais pas quoi dire. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je sais même plus où est la guide de démarche ici. Il y a la guide de démarche ici. Enfin, je sais pas. Mais oui, il est parti à sa guide. Ça c'est une auberge. Ah, guide de démarche. Ah, puis il y a un vendeur en face. Je vais en profiter tant que c'est les horaires d'ouverture. Ah, je suis pas en habit de séduction. Minute. Attends. Hop là. Qu'y a-t-il ? Bonjour, des rumeurs. Marie Paliel travaille très dur. Elle passe ses jours et ses nuits à la chapelle, où elle s'occupe des malades et des blessés. C'est tout à son honneur, bah ouais. Elle... J'offre les meilleurs produits de tous Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Youpi. Youpi, youpi, youpi. Alors lui, il a la spécificité d'avoir les fraises, ça me fait rire. Ah, rien de magie. Ah oui, les murs, ouais. Non. Merci. Vous êtes ici, chez vous. Merci. À plus. Adieu. La madame qui me tombe le dos. Poursuivez, je vous prie. Eija, non, que des rumeurs. Undena aurait-y fait pousser de très bonnes tomates. Oui, elles sont vraiment excellentes. Ah, c'est le spécialiste des tomates dans le royaume. À bientôt. C'est monsieur Tomate Ketchup. Bon, allez, je vais aller me jeter dans la guide des mages pour la nuit. Je vais voir plein de mages. Salut. Poursuivez, je vous prie. Putain, je vous avais oublié. C'est moche à dire, mais je vous avais oublié. J'ignore ce que l'archimage Traven a contre la nécromancie. Mais quand il a été nommé à la tête de la guilde des mages, sa première action a été d'en interdire la pratique. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Au revoir. Comment ? Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Quelle idée d'aller au coin, là, et de bouder. Des rumeurs ? On dirait qu'il y a de nombreux problèmes au siège de la guilde de Bruma. Jeanne la dirige vraiment très mal. Oh. Ça parle mal. Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Au revoir. Que voulez-vous ? Alors, celle qui passe sa vie dans les livres, des rumeurs ? La nécromancie est légale à Cyrodiil. Oh non. Arrêtez-moi de me parler de la même chose à chaque fois. Au revoir. Au revoir. J'ai pas de... Tiens. Quelle heure il est ? 6h de l'après-midi. Ouais, attends, je ferme mes potions et puis... ouais, tout ce qui est regain de magie. Hmm.
peu de glamour pour le regain de magie, je crois. Après, c'est foutu. Quoique mince, le raisin, j'ai mal regardé. Ah non, c'est de la réduction de santé, c'est nul. Ouais, bah je vais faire le dodo, et puis voilà. Salut. Oh, tu me fais rire quand il est comme ça. Bon, allez, pause. Je continuerai tout à l'heure. C'était cool.